keynote dans le monde du luxe et des NFT. Pour en parler, j'accueille le directeur associé Ballistic Art, Stéphane Guellieni, accompagné d'Emmanuel Vivier, notre cofondateur du Hub Institute. Accompagné, s'il vous plaît, applaudissements pour eux, merci. Bienvenue. Cet après-midi, bah effectivement, on va réattaquer sur le futur du marketing. Je suis ravi d'être avec Ballistic Art, qui est peut-être un des studios qui a le plus d'expérience dans le digital, le premium et le luxe. Ça fait combien de temps, Stéphane ? Depuis 15 ans presque. Voilà, 15 ans. Et donc, tu vas nous parler d'un sujet qui nous semblait important de toucher, puisque ça commence à monter très très fort. C'est les NFT. Alors, qui a déjà entendu parler des NFT dans la salle ? À peu près tout le monde. Bon, bah, c'est génial, tu vas pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, tout à fait. Alors, le NFT, effectivement, c'est un acronyme que vous avez entendu parler cette année. C'est un mot buzz, un buzzword qui a émergé cette année. Alors, NFT, ça ne veut pas dire Next Future Trends, alors que ça pourrait être le cas ici au Web Forum. Ça veut dire Non-Fungible Token, jeton non-fungible en français. Et alors, avant d'expliquer et de rentrer dans les détails de ce qu'est un NFT, l'idée, c'est de revenir un petit peu pourquoi on en parle. Alors, on va revenir sur mars 2021. Avec une vente record qui a eu lieu chez Christie's, avec un artiste qui s'appelle Beeple, qui était inconnu au bataillon jusqu'à là, et qui s'est propulsé à la troisième place des artistes les plus vendus au monde, à côté de Jeff Koons et David Hockney. Combien la vente ? La vente, c'est à peu près 69,1 millions de dollars, ce qui est énorme. Et forcément, quand on a vu cette info passer, alors nous, à Ballistic Art, on a un studio de veille, et donc les NFT, on a entendu parler, on avait déjà vu cette vente record d'une robe à 10 000 dollars, ce qui n'est pas grand-chose, à côté de la vente de Beeple à 69 millions. Et donc, du coup, en juste une semaine après cette vente, on s'est intéressé, on s'est posé la question, est-ce que les NFT sera l'avenir du luxe, puisque c'est notre secteur sur lequel on travaille. Alors, on rappelle, c'était une robe en pixels quand même, hein. C'est pas une robe qu'on pouvait porter dans la vraie vie. Aujourd'hui, la réponse, après 6 mois d'enquête, 150 slides, 50 study cases, on va vous répondre que oui, c'est l'avenir du luxe, et pas que. Et pour cela, je vais vous lancer un petit film qui va montrer à la fois la réaction de cet artiste Beeple sur la propre record de vente qu'il a pu faire, qui peut être le chef-d'œuvre du 21e siècle, en tout cas le premier NFT vendu aussi cher aux enchères. On regarde tout de suite le petit film qui présente cette étude. $69 million. I think it probably means digital art is here to stay. Jesus Christ, what the hell? Alors voilà, je suis ravi aujourd'hui au Hub Forum de vous présenter les premiers slides de cette étude. Alors avant de commencer, déjà qu'on prononce qu'est un NFT, un jeton non fongible, déjà il faut comprendre le concept de fongibilité. Si je donne par exemple à Emmanuel 5 euros et qu'il me rend 5 euros, on est sur un système fongible, il n'y a pas de souci. Si je lui donne un bitcoin et il me rend un bitcoin, c'est pareil, c'est égal. Par contre, s'il va à un concert à Madonna à New York et moi je vais à un concert de Billie Eilish à Londres, on n'a pas le même ticket, on ne les échange pas. Parce que moi, je préfère Billie Eilish que Madonna. Et puis aussi, parce qu'il y a mon nom sur l'invitation, il y a une destination qui n'est pas la même, une place de concert, ce n'est pas la même expérience, etc. Donc ce jeton non fongible qui m'appartient qu'à moi, il est authentique, unique et infalsifiable, puisqu'il rentre dans une blockchain. Cette blockchain va permettre aussi de lutter contre la contrefaçon pour les marques de luxe. Et elle va permettre aussi, pour vous qui êtes des marques, de créer un jeton qui est soit appliqué à un produit existant dans la vie réelle, ça peut être un sac à main, une chaussure, un parfum, et puis aussi tout ce que vous faites autour, c'est-à-dire les images que vous avez sur Instagram, les films que vous lancez sur YouTube, peuvent devenir des jetons non fongibles et peuvent avoir de la valeur si par exemple c'était réalisé par un grand réalisateur, un grand photographe. Ça c'est côté pour les marques. Ensuite, de l'autre côté, consommateur, alors aujourd'hui, c'est difficile de dire qui achète des NFT, on va parler de crypto-communities, puisque en fait, c'est compliqué de dire qu'aujourd'hui, pour une cible marketing d'un acheteur NFT, il a entre 15 et 35 ans, etc. Puisque vous avez à la fois des joueurs qui ont des avatars dans les jeux vidéo qui ont moins de 15 ans, qui achètent déjà des NFT, vous avez des baby boomers qui sont des investisseurs, vous avez aussi des
génération X, des gens qui ont 40 ans, qui sont traders et qui diversifient leur portefeuille d'actifs. Donc tout ça, c'est assez compliqué et on en parle dans l'étude, effectivement, de ces différentes cibles. Ce qu'il faut comprendre, le seul point commun de ces gens-là, c'est qu'ils ont un portefeuille numérique. Ce portefeuille numérique, dans lequel il y a de l'argent, de la crypto-monnaie, lié au NFT, c'est plutôt l'Ethereum, plus que le Bitcoin. Cette monnaie virtuelle, alors vous allez me dire, oui, alors c'est 1% de la planète qui a un portefeuille virtuel, mais rappelez-vous, il y a 20 ans, on n'avait pas d'email. Il y a 30 ans, on n'avait pas de téléphone portable. Donc ce portefeuille numérique, c'est l'avenir. Et à partir du moment où vous avez touché un consommateur qui a de la crypto, et vous pouvez vendre votre NFT. Alors, on va prendre un exemple très simple. Les CryptoPunks, c'est 10 000 unités de ces petits personnages en pixels que vous pouvez voir. Aujourd'hui, l'ensemble de cette collection de 10 000 CryptoPunks a atteint les 1 milliard de dollars. Si vous voulez en acheter un, c'est 100 000 minimum. Aujourd'hui, alors vous allez me dire, ça va intéresser quelques geeks sur le dark web, pas du tout. Ça va intéresser des stars comme par exemple Jay-Z, qui a acheté un des CryptoPunks très rares à 125 000 dollars pour le mettre sur son compte Twitter. Il faut savoir que Twitter va authentifier les NFT qui seront posés sur les profils, puisque dans la communauté crypto, si vous prenez une image sur Google Images et que vous la mettez sur votre compte Twitter, vous allez vous faire allumer par la communauté. Il ne faut surtout pas le faire. D'accord ? On a vu aussi un autre exemple à la Met Gala aux États-Unis, un grand événement de luxe, un pins qui a été CryptoPunk, qui a vraiment créé la une des médias beaucoup plus que les belles robes des actrices. Alors pour cette étude, on va essayer de résumer quelques points importants qu'on a pu analyser, en tout cas dans l'univers de la mode et du luxe. Le premier point, c'est Artefact, qui est une société qui vend que des sneakers virtuels et qui a fait une vente record autour d'un drop pour 3,5 millions en moins de 8 minutes. Deuxième élément important, c'est les blockchains. Le consortium qui a eu lieu entre LVMH, Prada et Richemont autour d'une blockchain pour lutter contre la contrefaçon et pour pouvoir demain utiliser NFT. En juin, on a vu les premières marques de luxe de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode qui a lancé ce NFT lors de la Fashion Week. Et puis derrière, on a vu Givenchy Parfum, Gucci, Burberry, etc. pendant l'été. Et évidemment, nous, on n'a pas arrêté de faire cette veille. Quelque chose passé plus inaperçu, c'est Philippe Plein qui a décidé de refondre son e-commerce avec 15 crypto-monnaies autorisées pour acheter ses produits. Ce qui est quand même assez important. Et enfin, pour terminer, on a vu en septembre pas mal d'événements, et notamment un événement assez marquant, c'est la couverture de Vogue Singapour, qui était elle-même un NFT, avec des collaborations d'artistes, et une vente record de Dolce & Gabbana de NFT à plus de 5 millions de dollars. Alors, pour les marques, évidemment, il y a énormément de possibilités. J'ai envie de dire qu'il n'y a que l'imagination qui est la limite de ce que vous pouvez faire avec les NFT. On va citer par exemple Coca-Cola, dans un univers qui n'est pas dans le luxe, qui a créé, alors que c'est une boisson, qui a créé du fashion garment, qui a créé des produits virtuels qui ont vendu sur une métaverse Decentraland pour 500 000 dollars. Il y a les collectifs dont on a parlé, etc. Si vous n'êtes pas convaincu, demandez à vos ados qui achètent des skins sur Fortnite, qui essaient de vendre des pixels. Tout à fait. Alors, cette étude, effectivement, nous, on est plutôt dans le luxe. On a étudié pas mal d'études de cas sur le monde de la mode, de la beauté, des vins spiritueux, de la joaillerie et des montres, mais aussi le sport style, travel and leisure, etc. Un exemple très intéressant, on parlait tout à l'heure du Met Gala, qui est un grand événement fashion aux États-Unis. Et bien maintenant, il y a le Meta Gala. C'est la métaverse du Met Gala, donc virtuel, que vous pouvez vivre sur vos écrans. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que des marques de mode et des marques de cosmétiques se sont associées à cet événement virtuel. Et notamment ici, on voit la marque NYX, donc c'est un des use cases qu'on a dans l'étude, qui a réalisé un make-up avec une influenceuse. Et ce make-up peut être acheté sous forme de NFT dans le monde de la métaverse. Donc vous voyez aussi l'application qu'on peut avoir entre une marque de beauté qui vendrait ses produits chez Sephora et qui les vendrait aussi en virtuel sur les mondes parallèles. Un autre exemple, Gucci a lancé sur une plateforme métaverse un sac à main qui a été racheté par un malin qui l'a revendu 4000 dollars. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sac réel coûte moins cher. Donc vous voyez aussi comment on peut hacker la métaverse par rapport à ces nouveaux produits. Alors, pour ceux qui seraient encore sceptiques sur NFT, parce que je sais qu'il y en a, regardez simplement ces chiffres qui viennent de tomber. Sur les premiers et deuxième trimestres, on est à peu près à 1 milliard de chiffre d'affaires de vente de NFT. Au troisième trimestre, on est passé à 10 milliards. Attendons le quatrième trimestre pour voir, à Noël, si on va avoir plus de chiffres. Donc forcément, Emmanuel et moi, on s'est beaucoup intéressé à ces sujets-là, et notamment pour les belles marques. Et on vous propose par la suite,
soit de vous pitcher cette étude qui peut durer une heure ou plus, selon vos envies. En keynote, voilà. Ou en keynote, ou pourquoi pas en workshop, pour développer des NFT pour vos marques. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez envie d'être prêt pour 2022, rendez-vous avec Ballistic Art. Merci encore Stéphane. Merci. Merci beaucoup à vous.